n'importe quoi. Les amis, à propos de sosie, puisqu'il pourrait être sosie de Matt Pokora, on en a parlé. Accrochez-vous bien, parce que franchement, ils sont, on les a vus aux répétitions, ils sont incroyables. Le look, à mon avis, il vient de Caen, mais à mon avis, ça doit, il doit cartonner, ce garçon. Il y a les danseurs, ça chante, ça bouge, ils sont beaux. Vous êtes aux États-Unis, aux States, dans le Massachusetts. Avec... Justin Bieber is with us. C'est now! Yeah! Shout out to your mom and dad for making you stand an ovation. They did a great job raising you. When I create, you're my muse, the kind of smile that makes a noose. Ain't nobody throw shade on your name in these streets. To a threat, you a boss, you a fan, you a fiend. You make it easy to choose. You got a mean touch, I can't refuse. No, I can't refuse it. Time I come around and get it done. 50-50 love the way you spin it. 100 racks and we spin it, baby. A lot of masculinity, babe. That jet set, watch the sunset, got it. Yeah, yeah. Rolling eyes back in my head, made my toes curl, yeah, yeah. You know that I need you. Ton émission, c'est là. Mon émission ce soir. Oh là là. Ah ouais. Les deux côte à côte. Là, c'est tu m'étonnes. On sent que c'est moi qui fais le conducteur. Il y a du matos. Justin, please, thank you for being deux with us. Deux grands beaux gosses. Ah, deux beaux gosses. Alors attends, du coup, gosses. T'as pas de. Ah ouais. Vous l'avez, tenez, non, Mathieu, photo, vous l'avez perçu. Photo. Il a la photo. Ah, t'as ça? T'as déjà un micro? Mais oui, il est là. Ah, il est là. Bah voilà. Je savais pas, sinon j'allais être. D'accord. Ça va? Et toi? C'est quoi ton. What is your name? Bravo. C'est quoi ton prénom? My name is Dylan. Dylan? Ah, j'aime bien, même le prénom fait appeler américain. Ah non, c'est Jay Alexandre. Jayson, d'accord. Yeah. Sinon, c'est Dylan. Dylan. Dylan, d'accord, Dylan. À quel âge as-tu? 26 ans. 26 ans? Et alors, ouais. Dylan, autoroute nationale, département. On en est au niveau conduite. Non, ça se passe bien? Ça se passe super. Non, mais c'est incroyable la performance quand même. Bah ouais, on essaye de. Bah, chaque rassemblement sur Paris, on essaie d'être au top avec mon chorégraphe et ma team de danse. C'est incroyable. Moi, je suis de Caen. T'es de Caen? Ouais, je suis de Caen. J'adore Caen. Caen. Mais je connais plein de gens à Caen. Kansas. Donc à Caen, et donc ouais. J'ai mes danseurs sur Paris. Et j'ai même maintenant quelques musiciens quand je fais quelques scènes sur Caen, un batteur et un guitariste en fait. Ouais. Et donc voilà, moi, je suis plus sosie en proche de la scène. Bah, non, mais t'as fait les tatouages, t'as tout fait. J'ai tous les tatouages. Tous les mêmes. Mais non. Ah, on peut voir un petit peu. On peut voir un petit peu. Incroyable. C'est exactement les mêmes que Justin Bieber. Montre-moi un petit peu. Un petit peu nous montrer ça. Bien.
On cible la ménagère, parce que là, il a les. Mais c'est. Les tatous de partout, de partout. Non, pas le torse. Non, t'as pas fait le torse. Pas le torse. Ah, c'est bien. Non, non. Dommage. Mais non, c'est bien, t'as fait tous les tatouages. Ouais, j'ai fait. C'est quand même assez incroyable. Et tu fais quoi dans la vie? Quand t'es parent, Justine? Alors moi, dans la vie, je fais. Tu peux te. Bon, non, ça se passe. Tu fais quoi dans la vie? Dans la vie, je travaille dans le bâtiment en intérim. Non. Si, et je suis à mon compte dans le nettoyage. Et sinon, moi, rien à voir avec la scène, le public. Mais comment d'un coup tu t'es dit je vais devenir sosie parce que t'es fan ou parce que t'es ouais, quoi? Ouais, je suis fan déjà de base. Ouais. Fan de base et j'ai connu les anciens sosies à l'époque, Chris Bieber. Ouais. T'as dû connaître quand à l'époque. Une autre carrière maintenant. Voilà, ouais, ouais. Mag. Il y a eu Quentin entre deux et moi je suis venu après en fait. D'accord. Vraiment après. Quand il y a eu le Pure Post Tour, comment ça s'appelle l'album avant, ouais. Justice et Changes, là où Justin Bieber est en tournée en ce moment. Ouais. Et donc voilà, j'avais été à son concert où j'ai déjà rencontré. Énormément tu l'as déjà rencontré? Non, pas du tout. Pas du tout? Pas du tout. C'est que moi, oui. Ouais. Ouais. Hein? T'as de la chance. Au Zénith, dans sa loge. Ouais. Dans sa loge? Ouais. Mais merci, non. Pardon, dans sa loge, ouais. Ah ouais. Et alors mais c'était comment? Oui. C'était comment? Exactement. Bah, j'ai vécu à peu près la même chose que Jean-Michel Maire, c'est-à-dire un type qui n'avait rien à foutre de moi, qui ne connaissait pas, son nom. Mais il était venu à TPMP une fois, Justine. Oui. Non. Ah oui, c'est il vrai. Ah oui, c'est vrai. Il était parti, il s'est parti avec la veste de Cyril et tout ce qui la veste de Cyril, c'est ça. La veste de Cyril. Ouais, mais j'ai pas un super souvenir. Enfin, moyennement aimable. Merde, je parle avec le. Moyennement aimable. Alors, il venait de faire 3 heures de show, on lui a dit Mathieu Delormeau arrive, peut-être qu'il s'en tapait. Oui. Un peu. Je peux l'entendre, mais du coup, j'avais été un petit peu déçu. Mais quand même, de tous les sosies qu'on a eu depuis le début de cette émission, je trouve que c'est le sosie le plus ressemblant de tous. Ouais. Qu'est-ce que tu fais Et tu fais quoi pour entretenir cette ressemblance? D'abord, tous les tatouages. Les tatouages, les vêtements, on essaie d'être. C'est drôle aussi. Comme il est en ce moment. Je rigole. Avec les gants, en ce moment il met des gants pendant le concert. Ouais. Bon, il a ses vêtements assez larges. Ouais. Il avait une période un peu plus avec des vêtements plus cintrés, donc on essaye vraiment de se. Aucune chirurgie? Aucune chirurgie. Et tu sais que à part si vraiment. Les tatouages, à la sa dernière tournée, j'étais pas tatoué, donc j'avais fait beaucoup de photos à son concert à Lille, quand il est venu à Lille, pas trop à Paris. Et après, avec les années qui s'est passé, Justin était en pause. Et moi j'ai voulu travailler sur mon personnage. Et à faire les tatouages et tout ça, et après... Tu sais que si vraiment tu veux lui ressembler, parce que je le connais un petit peu, Justin, il est un peu bisexuel, il est un peu... Non, on peut rien dire, alors, ici. Non. J'informe les gens. T'as une copine, en plus, Là, il y a deux questions, et puis on terminera. Oui, Jean-Michel. Il a une copine, Mathieu. Ça fait très longtemps, il a une copine. Moi, t'occupe pas, ça me dérange pas, ça. Justin aussi. Moi aussi, j'ai une copine. Justin aussi, mais il est marié, maintenant, Justin. Il est marié? Oui, mais il est où? Justin, il est ouvert à la vie. Il a touché à tout. Non, je voulais savoir combien ça rapporter le métier de sosie, enfin pas le métier mais d'être sosie comme ça. Ouais, parce que... Pour l'instant, j'ai pas touché encore à ce monde-là. En fait, quand tu fais des galas, tu touches pas d'argent? Oui, je touche à un petit truc. Ça rapporte combien un gala où tu te produis pour une chanson, une prestation comme ça? Tout dépend à peu près sur un show. Si je fais un show complet d'une heure à peu près, on a des fourchettes de prix à peu près qui tournent entre 250 et 300 et les danseurs aussi. Ah oui. C'est bien, c'est correct. C'est bien. Voilà. Et une dernière question. Ouais, juste, est-ce que tu comptes rester sosie ou est-ce que tu as envie de t'appuyer sur ce qu'on a vu, c'est-à-dire créer tes propres compos, tes propres chorés et faire une vraie carrière toi-même? Pour l'instant, non, vraiment. J'essaie d'y rester encore longtemps. T'as raison. J'ai des petits problèmes en ce moment où je peux pas avancer, c'est problèmes avec Instagram. 20 fois qu'on compte Instagram. Alors attends, ce qu'il faut, c'est que tu viennes peut-être dans ma loge tout à l'heure pour qu'on parle de tous ces problèmes et que je t'aide à avancer.